Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Donc là, aujourd'hui, on s'apprête à aller à La Cia, dans Québec centre-ville. Enfin, plus vers Sainte-Foy, c'est avant le Québec centre quand même. On va prendre le bus, donc là, on va marcher de chez nous à en bas pour aller à l'arrêt de bus. C'est pas à côté, honnêtement, je crois qu'on en a pour, on va dire, en grosso modo 20 minutes. On va prendre le bus et après, on marche et on a encore pour 10 minutes à peu près pour se rendre sur le lieu exact. Donc on va dire qu'en gros, on a à peu près une heure quoi, de trajet en marchant et en prenant le bus pour se rendre à La Cia. Donc La Cia, comme je vous le disais, c'est un labo qui va confirmer que Pacha peut bien prendre l'avion. On a tous les papiers hier qu'on a fait à la clinique vétérinaire qui nous ont tout validé avec le certificat de bonne santé et tout ça, comme quoi Pacha pouvait rentrer avec nous en France. Mais il n'y a que La Cia qui valide oui ou non si Pacha peut vraiment prendre l'avion ou pas. Donc on n'est pas obligé d'y aller aujourd'hui avec Pacha, donc tant mieux, parce que déjà c'est un stress à chaque fois qu'on emmène Pacha chez le vétérinaire, il déteste ça. Je vous mettrai une petite vidéo que je l'ai filmée hier juste avant. Dernière visite pour petit Pacha aujourd'hui. Ah mon cher, on est arrivé à la clinique vétérinaire, on a pris le taxi. Le taxi nous attend là-bas sur le parking, on va le reprendre après. On attend pour son certificat de bonne santé pour prendre l'avion. Mon chat. J'avais pas fait d'intro, mais hier on avait pris le taxi pour se rendre à la clinique vétérinaire. Vu qu'on a plus de voiture avec Pacha, je me sentais pas de marcher, prendre le bus et tout dans le froid quoi. Donc ça s'est super bien passé en taxi, même si c'est hors de prix honnêtement. On en a eu pour 40$ pour faire 10 minutes et 40$ retour pour faire 10 minutes. Bref, pour moi c'était la solution la plus simple avec Pacha dans tous les cas. Et bah, la direction La Cia, on va sûrement s'arrêter, faire quelques courses parce qu'on a calculé ce qui nous restait un peu niveau nourriture. Vu que là on change complètement d'un pied à l'autre, on est obligé de calculer nos repas si je puis dire. Donc il nous reste 4 repas à acheter, donc on va aller faire juste les courses qui nous manquent bah, pour manger jusqu'à ce qu'on parte. Bah, écoutez, on vous emmène encore avec nous dans cette folle aventure aujourd'hui. Ils ont déneigé, mais la neige est toujours bien présente et surtout qu'aujourd'hui il fait quand même assez froid. Hein. Je crois qu'on est sur un moins 12 ressenti, moins 15 il me semble, moins 15, moins 16. Ils ont bien déneigé, mais le froid se ressent. Allez, let's go. Ah oui. Let's go, on est arrivé après avoir pris le bus. On va à notre rendez-vous à La Cia pour Pacha après une heure de trajet. En face il y avait McDo, donc let's go au McDo manger un bout parce qu'il est rendu midi. C'est plein ici. Allez, petit McDo. 35$. Non, oui. 35,61$. 1000 chèques moyens à la fraise, 1000 chèques moyens à la vanille. Big Mac, poutine. Bon, regardez, je vous montre celle du chéri. Et deux petits burgers. Bon appétit à tous. Avec la neige et grand soleil aujourd'hui. Voilà. Bon, on est en train de rentrer à la maison. On est en train d'éliminer le McDo. Heureusement qu'on a 20 minutes de marche du bus à l'appart. J'ai tout sur le ventre là. On s'est arrêté juste au Super C pour prendre quelques courses. Il nous manquait là pour les repas. Et voilà, let's go à la maison. On a eu de la chance qu'il fasse soleil, pas de neige, pas de vent et pas de pluie surtout. Donc on a eu vraiment une belle journée pour aller jusqu'à Sainte-Foy, Québec. Oui, encore une bus jaune à l'arrêt. Les trottoirs ont été quand même plutôt bien déneigés. Donc du coup, on continue à marcher avant de rentrer. On y est presque. Bon, y a des endroits déneigés, d'autres non. Moi, je fais attention vu que j'ai plus de bottes, plus de clous. Là, regardez comme là, c'est un peu verglacé. Faut faire gaffe où vous mettez les pieds vraiment. Voilà, on rentre. Bon les loulous, on se retrouve le lendemain. Il neige de folie dehors. Aujourd'hui, il a fait que neiger, pleuvoir. Ça annonce vraiment de la grosse pluie verglaçante parce qu'il s'est neige, pluie. Donc attention quand vous marchez dehors aujourd'hui. C'est quelque chose. Regardez, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. J'étais en train de regarder le nouveau film qu'ils ont sorti sur Netflix, le journal de Noël. Et c'est vraiment les mêmes décors qu'au Canada, quoi. C'est impressionnant. Il me restait une petite dernière tasse de Noël. Donc voilà, c'est la seule que j'ai pas embarquée. Donc je suis en train de boire un thé à la canneberge, dans ma housse de couette Halloween, qui est celle-ci. C'est la housse de couette qui me restait, hein, donc j'ai pas de housse de couette de Noël. Ma housse de couette de Noël m'attend chez moi dans le sud de la France. Elle est déjà commandée d'ailleurs, j'ai plein de colis qui sont arrivés. Ma mère, elle arrête pas d'aller les chercher. On va faire pas mal d'unboxing ensemble. J'ai tellement, tellement hâte. Et là, c'est tellement, tellement long d'attendre. Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il est en train de tomber en neige? Là, ça y est, tout à l'heure, c'était un peu de pluie. Là, ça retombe vraiment de la grosse, grosse neige. C'est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir ce qui tombe comme neige. On voit plus rien tellement c'est brumeux et que ça tombe. Là, à mon avis, on va avoir encore une belle couche de neige. Ça s'arrête plus, ça tombe. Bombier, impressionnant. Regardez-moi ce beau coucher de soleil sur les arbres. Wow, alors là c'est incroyable parce que ça ressort vraiment super bien avec la neige. C'est magnifique. Waouh. Incroyable. Je suis devant la finale de la Star Academy et je suis en train de finir mon bain parce que j'ai terminé mes gels douche que j'avais à finir.
Voilà, dernier bain ici au Canada. J'espère qu'Anisha va gagner la Starac. Ça joue entre Anisha et Enola. Je croise les doigts pour Anisha, là, elle va chanter seule. Je crois qu'elle va chanter Alléluia. Oh my god. Ça va être fou. Elle est trop belle en plus, je trouve, ce soir avec sa robe et tout. Magnifique. Ah ouais, elle chante ça. Dingue. Oh. Ah bah tout envoyer là. Après le ciel de hier soir, regardez-moi le lever de soleil ce matin. Magnifique. Voilà. Les paysages sont vraiment fous ici. Magnifique. Bon, la dame va venir récupérer notre table basse qu'on lui avait réservée 4 jours avant de partir. Donc là, elle va passer à midi, il est 11h et quelques. Donc on l'attend. Et voilà, elle s'en va aussi. C'était le dernier meuble qu'on devait vendre avant de partir. Mon petit Pacha, il est dans son arbre à chat, mais il est tout malade. Mon petit cœur, il a le nez tout sec parce qu'il a été en diarrhée. Fallait pas être malade avant de partir. Mais bon, d'être sorti, d'avoir été chez le vétérinaire et tout, ça l'a fatigué mon ange. J'espère que ça va aller. Hein. Mon amour, j'aime pas te voir comme ça. En attendant la dame, je voulais vous dire, parce que je crois que j'étais pas revenue là-dessus, on a enfin quand même trouvé une petite maisonnette qui va nous dépanner pendant 3 mois, qui est un tout meublé, donc au moins on a juste à poser nos affaires, on rachètera des petits meubles comme ça au fur et à mesure pour notre futur appart. Ou on peut le prolonger pendant 1 mois ou maximum jusqu'à fin juin, sinon le mieux c'est de trouver un autre appartement au 1er mars. Donc écoutez, au moins on a un logement, si je puis dire, tout inclus quand on arrive, donc voilà, c'est au moins un soulagement pour qu'on puisse direct aller à la petite maisonnette avec Pacha quand on arrive à l'aéroport, parce que ce qui me stressait dans le Airbnb en plus c'est qu'il était disponible qu'à partir de 15h, donc en plus fallait attendre, vu qu'on arrive qu'à 11h à Marseille, il fallait attendre 15h pour aller dans le Airbnb, donc avec Pacha et tout, ça va m'embêter honnêtement. Donc là, vu que ma mère va signer le bail la veille qu'on arrive, et ben au moins comme ça on aura déjà les clés et tout ça quand on arrive. Donc quand on arrive à 11h, on file direct là-bas, vu qu'on en a encore pour 1 heure de route, bon, on arrivera directement à la maisonnette. Voilà, je voulais vous dire qu'on a trouvé quand même une solution, donc c'était pas évident à distance, mais on a quand même réussi. Aujourd'hui il fait juste une super belle journée. Honnêtement je crois qu'il fait juste -1, mais comme il y a du soleil, il fait super bon dehors. La neige a un petit peu fondu, même si elle est encore honnêtement beaucoup présente. On va aller juste prendre un petit café au dépanneur aussi à côté, faire un petit tour de quartier pour prendre l'air, histoire de respirer un petit peu, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu comme une quarantaine, comme quand on était arrivé mais en mode départ, parce qu'on peut pas trop bouger, hein, finalement sans la voiture on peut pas faire grand chose. On patiente sagement, mais on va aller faire un petit tour, on vous emmène avec nous. Voilà, c'est trop agréable de marcher sans qu'il y ait de vent ni de neige dans les yeux. Honnêtement, il fait super bon aujourd'hui, même si on est bien couvert quand même, mine de rien. Mais là, c'est trop agréable de marcher. Ça fait du bien de prendre l'air. Oh, oh, respirons. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les premières décorations ici sur les balcons. C'est trop beau sur les petites terrasses. Les Pères Noël en haut, le petit lampadaire. Stylé! On arrive à la station Essenceau, petit dépanneur. Let's go prendre un petit café vanille française. C'est un nouveau Coca-Cola. C'est à quoi? Normal. Mais pourquoi il y a cette image? Non, saveur melon d'eau et fraise. Oh, c'est une blague. 2,99€. Bon, ça doit pas être très bon. Je prends un petit vanille française, mais il faut prendre un petit. C'est eux, je crois. Ouais. Yop. Oui. Attends. Faut le prendre un petit, ouais. Let's go. Prendre du sucre. Ah, ça s'arrête pas? Oui, ça s'arrête. Ah ouais, t'as un pile poil. Des petites sucettes en chocolat de Noël. Ah ouais, regardez. Vous savez qu'on n'a même pas goûté les slushs comme ça, de la marque comme ça. C'est vraiment plus ça de la marque Poupie. Si, on a goûté le bleu et le rouge. Ouais, mais c'était pas cette marque-là, si. Ah ouais, c'était les mêmes. Mais en tout cas, ça vous colore la langue, un truc de fou. Et c'est hyper sucré, je trouve. Regardez, au dépanneur, ils vendent de la chantilly, de la crème, du lait. D'ailleurs, ils ont sorti les packaging avec le Papa Noël dessus. Ça n'est pas au steak et vous avez le lait en sachet aussi. Ça se fait beaucoup ici. Regardez le petit traîneau de Père Noël. Un petit pingouin. Oh, mignon la décoration. Il est beau le chien avec la guirlande dans la bouche. J'adore le porche décoré de cette maison. Ça fait vraiment de Noël, les couronnes et les guirlandes entourées autour du bois. Là. Je suis fan. Je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez de plus près. On se croirait vraiment digne d'un film américain. Hein. Regardez-moi comme c'est si cute. Les petits pingouins en haut là, attendez je zoome. Les petits pingouins qui transportent les cadeaux. Oh j'adore, trop mimes. Pas trop mignon le renne qui fait du ski là?
On adore. Bon, on se retrouve après la petite balade. Franchement, ça a fait trop du bien. Ça va être vraiment du coup le dernier vlog avant le mois de décembre, donc avant les vlogmas. Vous savez que bah, du coup là, il y a une période énormément chargée qui m'attend, puisque bah, chaque année, je fais les vlogmas du 1er décembre au 24 ou 25, ça dépend vraiment des années. C'est vraiment une année particulière, comme vous le savez, vu qu'on rentre en France dans 4 jours. En gros, en fait, le 1er décembre, je serai dans l'avion. Donc c'est quand même assez compliqué pour s'organiser, honnêtement, pour les vlogmas. Je sais toujours pas, là, à l'heure qu'il est, à 4 jours, comment je vais m'organiser, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de les faire. Je sais pas trop comment, ni quand je vais réussir à poster tout ça. Mais je vais essayer de m'organiser pour le faire, pour vous, pour moi, parce que j'adore, c'est ma période préférée, hein, comme vous le savez. Mais ça risque d'être complètement chaotique. Donc voilà, je sais pas si je posterai le premier vlog le 1er décembre ou le 2, donc certainement que si de toute façon il y a le vlogmas le 1er, ça sera une vidéo qui sera pré-enregistrée, hein, j'aurai pas le choix parce que le 1er je serai dans l'avion, mais tout se suivra de toute façon, donc même s'il y a un petit décalage, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, je clôture ce vlog ici, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous êtes prêts, on se retrouve certainement le 1er décembre pour les vlogmas 2022. Allez, bye, ciao ciao.